commencer à avoir un grandement besoin de toi, Seigneur. Kabisa Bwana, tuko na lazima yako. Viens nous assister. Kujo tusaidie. Viens nous donner la force. Kujo tupatie nguvu. Viens nous apprêter. Kujo tutayarishe. Car nous sommes venus ici pour communier avec toi. Kwa sababu tunakuja hapa ni kwa ajili ya kushiriki. Dans ta parole, là où deux ou trois seront réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ulisema katika neno lako mahali wala wawili watatu wakusanyika kwa jina lako. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accepte que tu puisses nous consoler. Kubali upate kutufariji. Et nous donner tout ce qu'il nous faut. Kutupatie yote tunaolazima. Toute la puissance du diable soit neutralisée. Yote uwezo wa shetani upate kupoteza nguvu. Et que toi la gloire de la Shekinah. Wewe utukufu ya Shekinah. Toi la puissance de la résurrection. Wewe uwezo wa ufufuko. Que tu règnes parmi nous. Upate kutawala katikati yetu. Bénis la présence de tes enfants. Barikiwe uwepo wa watoto wako. Pardonne tous nos péchés. Usamehe madhambi zetu zote. Et finis au travers de ton sang précieux. Utakase kupitia damu yako ya thamani. Et garde-nous toujours jalousement de ta bénédiction. Utulinde kabisa. Na waaminifu wote utufiche ndani yako Kristo Yesu. Bénis notre église. Bariki kanisa yetu. Chaque membre. Bariki kila mmoja. Chaque officiel. Bariki kila mfanya kazi humu. Bénis Dieu de gloire. Bariki Mungu tukufu. Projet de programme. Mipango yote ya kanisa. Manifeste ta gloire ce soir. Uchioneto uoneshe utukufu wako. Onction sur nous. Umimie upako wetu. Tous ces diables nous les ordonnons de libérer cet auditoire. Yote Dieu Shetani mujina Yesu Kristo tunayakize toke mwipasi. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Veuillez vous asseoir. Namiomba mwikale. Nous allons juste exhorter un petit peu et puis vous laisser un peu le temps de prier. Tutapokea maonyo kidogo kisha nitamiacha wakati kwa ajili ya kuomba. Là où nous venons de lire, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Il est facile de nous kusoma ni historia enye mnajua vizuri. Si la Bible est en train de parler de la résurrection de Lazare. Biblia iko naelezea kuhusu ufufuko ya Lazaro. Vous savez tous que c'est un prophète nous dit quand Jésus quitte l'endroit, il y a les amis qui commencent. Et mnajua Biblia inatuelezea kwamba wakati Yesu anatoka mufasi magumu inaanzaka. C'était l'expérience que cette famille avait vécue. Ni ile mambo enye lifikiaka mu hii familia. Lazare était l'ami de Jésus-Christ. Lazaro alikuwa karafiki yake na Yesu. Jésus connaissant très bien ce qui allait arriver. Yesu akijua vizuri ile enye lipashafika. Il avait quitté la maison. Alitoka mu ile nyumba. Quand il est parti, son ami était gravement malade. Wakati alienda, rafiki yake alikuwa sana mgonjwa kabisa. On a envoyé quelqu'un lui chercher. Walituma mtu akaenda kumtafuta Yesu. Yesu n'était pas revenu. Yesu akurudia. Au lieu de s'approcher, il ne faisait que s'éloigner. Kuliko arudie, yeye akaanza kuendelea tu mbali. C'est prophétique en ce moment-là, le ministère du Seigneur était devenu très important. Nabi anasema kwamba kwa ile wakati ile huduma ya Yesu Kristo ilikuwa inakuwa ya maana kabisa sana. Il était tellement sollicité. Na yeye kabisa alikuwa kiitiwa hapa na kule. Pouvait aller prêcher dans des endroits. Angeweza kwenda kuhubiri mu mafasi. Prêcher aux nécessités. Et kuhubiri wale wenye wako na lazima. C'était un temps très difficile. Ilikuwa wakati vigumu kabisa. Frère Madame dit c'est étrange, n'est-ce pas? Que Dieu prenne ces choses basses et les élève. Est-ce que vous comprenez le Dieu que nous adorons? C'est un Dieu qui prend les choses basses et il les élève. Frère Madame dit de sa naissance, il avait une mauvaise réputation. C'est dans le message de la résurrection de Lazare. C'est la préchance. 50. Niko katika mahubiri ufufuko ya Lazaro inyali hubiri mwaka 14 ikifungu ya 14 je vais aussi sauter pour lire 18 à 23. Nitaruka kwa ajili ya kusoma 18 mpaka 23. Frère dit que Dieu prenne ces choses basses et les élève. Ndugu Branham anasema Mungu anachukua kwa ile vitu za chini. De sa naissance Jésus il avait une mauvaise réputation. Tokea kuzaliwa kwa Yesu alikuwa na kavumu mbaya. Son nom était sali. Jina yake lilikuwa imechafuliwa. Il était supposé être un enfant illégitime. Yeye alionekana walikuwa na kimuita hata mwanadamu. Avec beau-père Joseph. Mwenye baba yake mulisha. Avant que ces derniers maris soient mariés, wakati, se soient mariés. Wakati yenye awawili mbele waoane. Une très mauvaise réputation. Yeye kabisa alikuwa na kavu. Mais il est arrivé un moment. Ulifika wakati. Où le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Wakati huduma ya Yesu Kristo. Était devenu très important. Ilikuwa imekuwa kwa maana kabisa. Était beaucoup sollicité. Alikuwa ameitwa hapa na kule. Quand il avait quitté la maison. Wakati alitoka kama ile nyumba. C'est ainsi que la maladie était entrée. Jopale magonjwa ikaingia. J'aimerais vous dire
dire une chose, que ces chemins que vous avez choisis, c'est un chemin difficile. Vous avez le Saint prophète dit dans le message, Dieu tient sa parole. Il a prêché le 13 juin 1957. Si vous prenez le paragraphe 28, le prophète dit, je dis ceci au profit de ces nombreuses personnes qui hier soir avaient accepté Christ. Ne vous attendez pas à ce que le chemin soit facile. La vie chrétienne, ce chemin que vous avez choisi, ce n'est pas un chemin facile, c'est un chemin difficile. Et ne vous attendez jamais à ce que ce chemin soit facile. Madame dit, ça sera un chemin difficile, rude, mais ça sera un chemin de bénédiction. Amen. Amina. Malgré que c'est difficile, malgré que c'est un chemin rude, mais ça sera un chemin de bénédiction. Et parce qu'il a promis d'être avec vous, souvenez-vous, il faut toujours des vallées pour faire la montagne. Et c'est la région de la terre qui produit les vallées et élève les montagnes au-dessus de ces terres. Il y aura des difficultés, il y aura des complications, il y aura des épreuves, mais sachez très bien que ce chemin que vous avez choisi, c'est le chemin de la bénédiction. Et Marie et Marthe, Marie et Martha pouvaient se poser des questions. Nous avons quitté la dénomination, nous avons abandonné le sacrificateur pour choisir Jésus. Et comment apprendre que nous l'avons choisi? Les choses se compliquent, les choses bloquent, et notre frère est parti. Nous avons perdu l'être très cher, et nous l'avons appelé, il est parti très loin pour ne plus tenir là où nous sommes. Nous avons même enterré notre frère, mais regardez que comme tout était dans le plan de Dieu, Jésus ne pouvait pas venir quand Lazare était encore malade. Non, il devait venir après que Lazare soit mort et enterré. La corruption s'était déjà installée dans les corps, et c'est à ce moment que Jésus vient pour exécuter la vision. Et il y a certaines choses qui peuvent arriver dans votre vie, et sachez que quand cela arrive, Dieu ne vous a pas abandonné. Le prophète dit qu'il a promis d'être avec vous, bien que c'est un chemin difficile, mais c'est le chemin de la bénédiction. Vous devez toujours garder cela et continuer à marcher, et le Seigneur vous accordera la victoire. Amen. Amina. Et alors que nous sommes en train d'achever 2020, j'aimerais que chacun de nous puisse réellement commence à faire l'évaluateur de sa vie. Parce que vous devez savoir que quand une année passe, on ne tourne pas de page. Parce que Frère Banam nous conseille de ne pas conserver nos péchés. Mais nous devons nous repentir afin que ce péché-là ne puisse pas nous rattraper plus tard. Il est zambi ici tout l'ombate tena kule kumbele. La résurrection de Lazare. Et quand comme obiri ou kufuka Lazare. Et je ne écoute ce que fongo yake 14 na shuka kidogo. Cette théorie ne change pas la parole de Dieu. Et imambo ye badilishi neno la Mungu. Non, la parole de Dieu est éternellement vraie. Apana neno la Mungu au ni umilele kabisa ya kweli. Ayo ni ya kweli. Notre foi est basée là-dessus. Imani yetu nasimamia pale juu. Je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Mimi si yokole
parce que je me suis agenouillé à l'autel et que j'ai crié na je suis sauvé parce que la parole de Dieu me dit que je suis sauvé. Mais basant sur le sentiment, Satan peut me vaincre n'importe où, et mais je crois cela parce que c'est Dieu qui l'a dit et je l'accepte sur base de sa parole. C'est ainsi que je suis sauvé. Et je crie cela. Et je l'ai confessé. Et alors cela produit des résultats. Mais pour commencer, je suis sauvé car la parole de Dieu enseigne que je suis sauvé. C'est ainsi que vous êtes sauvé. Si vous l'êtes, Satan peut vous vaincre sur vos idées et autres. Mais il ne peut pas s'approcher de la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, et cela avait réglé la question une fois pour toutes. Il est écrit dans les Écritures. Et bien, lorsqu'il était ici, en venant au monde, et comme je l'ai dit, en venant ici, il avait une mauvaise réputation. Oh, comme Dieu l'a si merveilleusement amené ici. Juste avant sa venue, il y eut un âge comme celui qu'on connaît présentement. Une condition rétrograde. Israël était assujetti sous la domination des Romains. Et s'ils avaient été éloignés, et s'étaient éloignés du surnaturel, le sacrificateur en était arrivé à enseigner une doctrine basée sur leur propre théorie. Comme Jésus l'a dit, vous enseignez comme commandement la parole des hommes, annulant ainsi la parole de Dieu. Et c'est pratiquement un tel moment qu'il est né. Mais Dieu a toujours eu un témoin sur terre. Maintenant remarquez, c'est donc pendant ce temps-là, juste avant sa naissance, et avant que Dieu accomplisse quelque chose ici sur terre, j'aimerais que vous saisissiez bien ceci. Avant que Dieu accomplisse quelque chose sur terre, il envoie toujours un témoin du ciel pour le déclarer. Et bien, avant la naissance de Jésus, eh bien Dieu a envoyé un témoin pour la circonstance, le signe, le prodige de sa venue ont commencé à apparaître juste comme ils apparaissaient encore aujourd'hui pour servir les témoins de sa seconde venue. Voyez-vous le signe, le prodige, celui-ci est un jour où il n'y a jamais eu un âge dans toutes les âges de l'Église qui ait produit ce que cet âge est en train de produire maintenant même. Car la venue du Seigneur est proche. Vous le croyez, n'est-ce pas? Et nous nous approchons du temps de la fin de l'histoire. Et c'est monde lorsque Jésus reviendra. Remarquez, les signes commencèrent à apparaître. Il y eut un homme du nom de Zacharie et sa femme était Elisabeth. Ils étaient des justes, des saints, observant d'une manière irréprochable tout le statut et toutes les ordonnances de Dieu. Ils étaient le genre de foyer
qu'il nous faut aujourd'hui. Ni aina ya mandoa ya vile ndio natutakiwa leo. Avoir des foyers qui observent la parole. Et kukuwa na ile mandoa ile yenye les ordonnances de Dieu. Et yena ishi maamri za Mungu. Mbona mtu vous le croyez n'est-ce pas? Kuna masemo na yaamini si. Au lieu de cela aujourd'hui. Kuliko ya ile leo. Nous avons dans l'église tout sauf la sainteté et la justice. Dio te kanisani kutosha tu utakatifu na uwaki. Mais eux étaient justes. Alakini wao walikuwa waaki. Ils observaient d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie était un sacrificateur au temple et son travail consistait à offrir du parfum pendant qu'on offrait la prière. Alors un jour, alors qu'il était dans le temple offrant le parfum, Gabriel l'a envoyé. Gabriel akamutumia. Gabriel, l'ange envoyé de Dieu. Yule malaika mwenye alitumwa na Mungu. Descendu et se tient debout à côté de l'autel. Akashuka kasimama karibu ya ile madhabahu ya manukato. Et tu ne crains pas Zacharie. Aogope Zacharie. Tes prières ont été exaucées. Maombi zako zimepokea jibu. Yoshamsa. Anasema napenda. Sa femme était stérile. Mke wake alikuwa mjane. Elle n'avait pas eu d'enfant. Walikuwa wajazaa. Elle avait dépassé l'âge d'enfanter. Mais Zacharie menait une vie correcte devant Dieu. Et il croyait en Dieu. Au bout de ces redoutables et longues heures sombres de chagrin, l'ange vient lui dire: Dieu a exaucé ta prière. Et s'il y a peut-être quelqu'un ici qui est passé par de longues heures sombres de chagrin, je prie Dieu que ce soir soit ta soirée où la prière que tu pourras offrir ici, que le Seigneur puisse déclarer cette prière là exaucée. Est-ce qu'il y a un chrétien ici? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que vous croyez que ce soir, malgré que les choses sont sombres, malgré qu'il y a des chagrins, est-ce que tu peux croire que ce soir Dieu peut te parler comme il avait parlé à Zacharie, que ta prière a été exaucée? Nous croyons qu'il est le même Dieu. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore ce soir. Et bien, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu'il envoie un ange dans votre maison, vivez correctement, agissez correctement, traitez tout le monde correctement, soyez en ordre devant Dieu, et vous l'accordera. Et sachez que dans chaque fois, dans la vie d'une personne, avant que Dieu puisse agir ou faire quelque chose, il y a toujours des longues heures sombres. Mais après ces heures là sombres, les dieux de William Branham, il a toujours une réponse à la prière de ses enfants. Katika maombi ya watoto yake. Et bien il a dit, remarquez donc, alisema, angariani, parfois basi, en ces jours là wakati ngine mwile sikile, comme aujourd'hui leo, quand nos prières traînent un peu, wakati maombi yetu nachelewa kidogo, nous sommes abattus, sisi tumevunjika, prisonniers de sens, et tunakuwa kabisa, et c'est ça l'être humain. Ile ndio hali ya mwanadamu. Il peut prier aujourd'hui, anaweza kuomba leo, Dieu ne répond pas, Mungu amujibu. Et comme ça un peu traîné, wakati nachelewa kidogo, l'homme de Dieu abattu, il devient prisonnier de sens. Mais un véritable chrétien, quand il prie le Seigneur, même si la prière a tardé, il sait une chose, que la prière que j'ai offerte, le Seigneur l'a déjà exaucée. Et il y aura un jour où le Seigneur accomplira
ce que vous lui avez demandé dans la prière. Il dit Zacharie avait donc douté que ça soit possible. Il n'avait pas cru cela. Il remarquait alors qu'il avait beaucoup d'exemples. Or Sarah et Abraham, quel âge avait-il quand Isaac est né? Anne est allée au temple. Elle avait déjà dépassé l'âge d'enfanter. Elle est allée au temple ce jour-là pour servir Dieu. Toutes les femmes étaient probablement parties à Silo. Peut-être pour voir les unes le jar de chapeau que les autres portaient. Mais pas Anne. Elle était allée avec quelque chose dans son cœur. Elle voulait parler à Dieu. Et elle priait avec une sincérité si profonde que le sacrificateur l'a mal compris. Donc quand vous priez le Seigneur, ayez une sincérité si profonde. Et quand quelqu'un prie avec une sincérité si profonde, il peut y arriver que la personne qui t'observe puisse mal te comprendre. Et c'était ça le cas d'Anne. Il dit comme aujourd'hui, parfois on nous taxe de fanatiques parce que nous prions et crions à Dieu. Nous sommes justes. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes mal compris, c'est tout. Il est le sacrificateur. Pensait que Anne était ivre. Les gens ont pensé de même à la Pentecôte. C'est ce qu'on pense aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'était pas ivre, mais qu'elle priait. Dieu dotait son eau propre. Et j'aimerais que ce soit que tu puisses prier pour que Dieu puisse ôter cette opprobre qui est sur toi. Il l'a béni. Et aussitôt qu'elle avait reçu la bénédiction du sacrificateur, remarquez celle-là n'avait donc pas tardé. Dieu pouvait placer l'enfant dans ses bras à l'instant même, mais elle est rentrée chez elle sachant qu'autant qu'on Dieu fera s'accomplir cela. C'est le genre de personne qu'il faut aujourd'hui qui prennent Dieu au mot. Voyez-vous, Zacharie avait donc cet exemple-là et beaucoup d'autres, mais malgré qu'il fût sacrificateur, il lui étudiait la parole, il doutait toujours, se demandait comment ça pouvait avoir un enfant avec lui après cet âge-là. Quand Dieu veut accomplir quelque chose, il ne regarde pas l'âge. Quand Dieu veut accomplir sa promesse, l'âge lui importe peu. Il dut remarquer que cet ange de Dieu qui accomplira sa parole, il fera s'accomplir sa parole sans tenir compte des circonstances. Une fois la saison arrive et les mois sont mûrs, Dieu enverra sa parole accomplir ses œuvres. Aujourd'hui, je crois que Dieu appellera un peuple parmi les nations pour porter son nom dans ce grand et dernier mouvement du réveil qui est en train de balayer le pays. Et si les gens de la sainteté n'en veulent pas, Dieu le suscitera de quelque chose d'autre. C'est vrai, cela doit avoir lieu, ça doit arriver. De Saint-Pierre, il est capable
de susciter des enfants à Abraham. Qu'y a-t-il? Nous avons laissé tomber le pari en faisant des compromis. Un vieux prédicateur chantait. Nous avons laissé tomber le pari. Nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont sortis. Comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez laissé tomber les barrières. C'est ce qu'il y a. Vous avez laissé tomber la parole. Nous devenons raides et guidés. Nous avons peur de revenir à l'évangile. C'est vrai au salut. Ancien qui nettoie à fond, qui vous transforme, c'est vrai, qui met les choses en ordre. Et vous venez devant Dieu. Et vous devez savoir que le saint prophète dit que quand Dieu dit quelque chose, Dieu est déterminé. Quand il parle, il est souverain. Il ne peut pas mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il est déterminé à accomplir la chose. Et tout ce que nous devons faire, c'est de faire réellement confiance en Dieu. Peu importe combien la chose semble impossible, elle s'accomplira. C'est vrai. Donc nous devons réellement croire comme ça. Parce que vous devez savoir que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Car tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi nous devons être en prière. Nous devons être sincères. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire que Dieu accomplira ces choses. Et quand nous croyons comme ça, vous verrez que le Seigneur vous accordera tout ce dont vous avez besoin. Mais ce que Dieu aime voir en nous, c'est cet attachement-là à sa parole. Parce que quand vous prenez la parole, vous verrez que les choses vont commencer à se retirer de soi. Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes? Écoutez ce qu'il dit. Dans le message, Dieu tient sa parole. 5. Je vais lire aussi 64. Madame dit, ne vous en faites pas. Si vous suivez Dieu, Dieu fera que tout se tienne tranquille. Pour vous, enfin que vous puissiez traverser. Donc le problème, c'est de suivre Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, n'abandonnez jamais Dieu. Suivez Dieu. Et Dieu fera que les choses se tiennent tranquilles pour vous. Et frère Madame dit, prenez simplement sa parole, suivez son esprit, il fera que les choses se retirent. Amen. Tu veux que les choses qui te tourmentent puissent se retirer. Prenez simplement la parole, suivez l'esprit de Dieu et les choses vont se retirer de soi. Amen. Amina. Et là vous verrez la gloire de l'Éternel. Mais si vous abandonnez la parole et que vous abandonnez la conduite de l'Esprit de Dieu, rien ne marchera dans votre vie. Amen. Amina. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Lazare était mort, tout ce qui intéressait Marthe,
C'était la venue du Seigneur. Et quand Jésus est venu, comme Jésus était la parole, Marthe est allée vers la parole. Elle a pris la parole. Tu vas me dire qu'elle avait le droit de réprimander Jésus. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste approché le Seigneur avec une bonne atmosphère. Et elle était dans l'attente. Elle a suivi la conduite. Jésus a demandé où l'avez-vous enterré. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont enlevé la pierre. Et une fois qu'ils ont fait cela, la mort ne pouvait pas résister. La corruption ne pouvait pas résister. Donc prenez la parole, suivez l'esprit, et les choses vont se retirer de soi. Amen. Amen. Il dit, mais si vous êtes baptisés dans cette grande galerie marchande, alors restez jusqu'à ce que Dieu confirme sa parole pour vous. Assurément, il vous donnera cela. C'est ce que vous regardez qui compte. Si vous regardez la parole, la parole vous amènera la paix. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen? Frère Branham dit, ce qui compte, c'est ce que vous regardez. Qu'est-ce que tu regardes? Il dit, si tu regardes la parole, la parole vous amènera la paix. Amen. Il dit, la parole vous amènera la délivrance. La parole vous amènera exactement ce qu'il vous faut. Dieu tient toujours sa parole. Et quand vous regardez la parole, la parole vous amènera la paix, la délivrance, la joie, et la parole vous donnera ce qu'il vous faut. Et je crois que ce soir, chacun est venu pour que Dieu lui donne ce qu'il lui faut. Alors, pour que Dieu puisse vous l'accorder, prenez la parole, suivez la conduite comme Marthe l'avait fait, et ce qu'il vous faut, Dieu vous l'accorder. Amen. C'est pourquoi quand vous priez le Seigneur, soyez tellement sincère. Si tu sais que tu as péché, reconnais tes péchés. J'ai mal agi, Seigneur. Je n'avais pas l'intention. Pardonne-moi, Père. Je viens vers toi. Ne me laisse pas sombrer. Je suis ton enfant. Seigneur, ayez pitié. Et quand tu regardes la sincérité, il faut exaucer la prière. Amen. Amen. Parce que ici c'est question de la vie ou de la mort. Et quand nous venons vers notre Seigneur, il n'y a personne qui est propre. Tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais quand nous venons comme ceci, vous devez profiter l'occasion de vous purifier devant le Seigneur, de prendre la parole. Et vous verrez que ce qui vous tourmente, ça va se retirer de soi. Vous n'allez pas combattre pour cela. Ça sera comme les enfants d'Israël. La mer rouge avait bloqué le chemin. Et Moïse a pris la parole. Il a suivi la conduite. La mer rouge s'est retirée de soi. Là, il n'y avait pas non prenez de soi. Nous allons vider cette mer rouge ici. Non, la mer rouge de soi s'est retirée. Et la même chose avec les Jourdains. Tu avais dû placer la parole devant. Et vous verrez que les Jourdains s'est retiré de soi. Et je crois aussi ce soir, si vous pouvez prendre la parole, laisse-moi te dire que ton problème là soit se retirer de soi. Et des fois tu ne comprends pas.
comment la chose est arrivée. Non, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui ne ment jamais, a accompli sa parole dans la vie de ses enfants. Et si vous le croyez ce soir, je crois qu'il peut faire la même chose réellement pour vous. Parce que le saint prophète dit, il ne ment jamais. Il dit toujours la vérité. Il n'a jamais failli. Le Dieu de gloire. Amen. C'est pourquoi ce soir, mes frères et sœurs, que chacun s'avance devant notre Seigneur dans une si grande sincérité, si profonde sincérité. Montre à Dieu ta vie. Dis-lui, Père, je suis bloqué par tes espoirs, mais je prends ta parole. Je ne veux pas que les mêmes erreurs que j'ai commis en 2020 puissent m'accompagner encore jusqu'à 2021. Non, plus les années passent, nous devons nous perfectionner parce que nous avons la parole et Dieu nous a donné tous les matériaux et nous devons nous apprêter afin de pouvoir les rencontrer. Et si vous pouvez le faire comme ça, le Dieu qui exauce la prière, il vous exaucera. Parce que le prophète dit, chaque prière sincère a toujours été exaucée. S'il y a une prière qui ne faillit jamais, c'est la prière sincère. Ça, je l'ai déjà expérimenté. Amen. Amina. Je savais à un moment donné, quand je ne voulais pas obéir à la conduite du Seigneur, et que j'aimais vraiment être dans les affaires, les choses bloquent. J'ai manqué même les habits. Je n'avais rien. Un jour, je suis revenu à moi-même. Je faisais une prière. Ce que je disais, personne n'écoutait à part Dieu. Mais ce jour-là, j'étais étonné. Un frère qui ne me connaissait pas, il a quitté les bancs jusque là où j'étais. Il m'a touché. Et maintenant que tu acceptes, je vais te donner ce que tu m'as demandé. Et j'ai eu l'argent sans effort. Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Dieu agit. Dieu parle. Dieu confirme. Sa parole. Dieu prise. La malédiction du diable. Dieu relève. Il est capable de prendre les choses basses et les élever. Voilà le Dieu que nous adorons. Le Dieu qui sait faire quitter un homme du ridicule au sublime de la poussière aux étoiles. Voilà le Dieu que nous adorons. Il est capable d'accomplir cela. Et ce soir, tout ce que je vous demande, soit seulement sincère. Même si la prière là peut prendre juste quelques minutes, mais si vous êtes sincère, vous verrez que vous-même, là, quand vous allez la prononcer, l'atmosphère va changer. Vous allez sentir quelque chose tout autour de vous. Parce que vous devez savoir que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas loin du monde du surnaturel. Amen. C'est pourquoi avant de prier, vous devez vous concentrer. Vous déconnectez de ce monde. Je ne sais pas si ça entre bien. Si Dieu comme on a nié le wakile bina tafuta kusema. Amen. Amina. Vous savez, unajua, quelqu'un peut venir. Mtu anaweza kuja. Très malade. Anakuja mgonjwa kabisa. Vous le regardez seulement. Unamwangalia tu le. Et lui-même il commence à crier merci Seigneur. Na yeye mwenyewe anaanza kulalamika, Bwana asante. Asante Bwana. Et il est guéri. Na yeye amepona.
On ne prie pas, tu es là, la pensée ailleurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu peux dire deux mots qui secouent le ciel. Misemo tu mbili na tenkesha mbingu. Et Dieu descend. Na Mungu anashuka. Je ne sais pas si vous me saisissez si très Dieu bien. Kama Mungu ananielewa vizuri kabisa. J'aimerais que chacun expérimente le Dieu qui l'a crié. Nitapenda kila mmoja apate kuonja ule Mungu mwenye yeye aliamini. C'est un Dieu réel. Yeye ni Mungu wa kweli. C'est un Dieu vivant. Yeye ni Mungu mwenye iko hapa. C'est un Dieu puissant. Yeye ni Mungu wa uwezo. C'est un Dieu présent. Yeye ni Mungu iko hapa. Tu n'adorais pas un Dieu. Nini muabudu ule Mungu mwenye chakufa. Un Dieu qui a des millions de kilomètres. Mwenye iko ma milioni ya kilomita. Hapa. Et si juste vous pouvez changer l'atmosphère, c'est comprimé pour la prière. Vous allez le toucher. Est-ce que vous le croyez? Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, donne-moi ce qu'il me faut. Brother, ni pate kitu kinanihitaji. Ce soir, je ne vais pas ce qu'il autre chose, mais je vais uniquement ce qu'il me faut. Mangaribi ya leo sitaki kitu kingine lakini nahitaji kitu kinastahili. Alors que nous nous tenons debout. Basi tusimame wima. J'ai possède. Il s'est
Seigneur, toi qui élèves, élève-moi, Seigneur. Donne-moi ce qu'il me faut. Je te prie ce soir. Et tu m'accordes cette grâce particulière. Je ne veux pas, Seigneur, qu'il soit toujours le même. Laisse que les points faibles de 2020 soient les points les plus forts en 2021. Que